Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Chaque matin, c'est nous qui choisissons. Chaque matin, c'est nous qui décidons. Est-ce que je veux entrer dans le plan que Dieu a pour moi? Cherche mes allumettes. J'ai allumé mes deux bougies. Oui, l'interprétation de rêve, c'est 20 000 francs.
Bonjour Nadège, amen. Recevez la paix sur vous. Je mets la lumière dans votre esprit. Que vous ayez la clarté dans tout ce que vous allez faire. Partout où vous allez. Que vous ne manquiez pas. Qu'une arme forgée contre vous ne peut prospérer. Éternel des armées, nous venons devant toi ce matin. Demander pardon pour nos péchés. Pardon pour toutes les fois où nous avons oublié certaines choses. Pardon pour toutes les fois où nous avons faibli. Pardon si nous n'avons pas écouté ce que tu nous as demandé de faire. Par la foi, nous savons que nous sommes pardonnés. Seigneur, je te confie les personnes qui écoutent cette vidéo. Je demande sur leur vie la grâce, la concentration, la paix. Merci, Jojo. Tout ce que l'ennemi a mis sur votre chemin pour vous faire douter de votre appel. J'enlève, je décompose, je détruis. Toute parole négative qui a été prononcée contre vous, que vous avez acceptée sans savoir, j'annule. Solange, je reçois la paix. Ceux qui sont malades, guéris toute partie de ton corps qui est malade. Florence, reçois la paix ce matin. Marie, reçois la paix. Tout ce qu'il y a dans votre corps qui est instable, qui est malade, je le détruis. J'annule. Recevez la grâce pour vous concentrer et faire vos choses. Merci Jojo. Je mets la paix dans vos foyers, futurs foyers. Lucienne, reçois ce que ton cœur désire. Yvette, reçois la guérison dans ton corps. Tout kyste, tout myome,
que vous avez dans votre corps. Début d'AVC. Symptômes bizarres que vous avez dans le corps. Je viens détruire ces symptômes. Si vous étiez perdu, je déclare que vous vous retrouvez aujourd'hui. Brigitte, reçois la guérison. Je te relève de ce lit d'hôpital. Au nom de Jésus. Hortense, que tu obtiennes le désir de ton cœur. Nadège, que tes attentes et tes projets s'accomplissent et se concrétisent. Je vais vous lire un passage là. On va lire 2 Rois chapitre 4. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. On peut craindre l'Éternel, mais on meurt. On peut craindre l'Éternel, mais on est pauvre. On peut servir Dieu, mais on est pauvre. Cet homme servait Dieu. Il avait des dettes. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Je vous dis toujours que quand vous venez devant Dieu, vous devez savoir ce que vous voulez. C'est pas parce que tu as des problèmes. Oh, mon mari est parti de la maison. Quand je vends, les gens n'achètent pas. Je vous connais avec les plaintes. Oh, mon mari est mort. Il avait les dettes. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous ce matin? Deuxième question. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Tu dois savoir ce que tu veux. Et tu dois savoir ce que tu as.
Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Qu'est-ce que tu as comme don? Qu'est-ce que tu as comme pouvoir en toi? Qu'est-ce que tu as me fait dans le passé? Il y en a parmi vous, oui, j'ai travaillé dans telle entreprise, je sais faire ça, je sais faire ça. Elle répond, ta servante n'a rien du tout à la maison. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Te voilà, tu veux qu'on te bénisse financièrement. Oui, sois béni financièrement. C'est bon. Va demander au dehors. Elle dit, je n'ai rien sauf un vase d'huile. Vous avez déjà des choses, mais vous n'avez pas la stratégie. Vous me suivez. Vous n'avez pas la stratégie. Il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va. Vous là, vous n'aimez pas vaver. Vous n'aimez pas vaver. Vous aimez rester, vous regardez. Tu dois vaver. Écrivez ici là, je vave. Je vais. Vaver alors. Hier dans la formation spirituelle, j'ai dit, oui, on fait alors comment? Va! Il faut vaver. Tu vas vaver. Le geste d'action de partir déclenche. Là où vous êtes là, je me lève le matin, je pars, je finis au bureau. Dans tous tes projets là, il n'y a pas vavé sur ça. Et tu es là. Je n'ai pas séduit. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Tout. Envoie ta page YouTube à tous tes contacts. Tout. Écrivez ici tous. Allô le Père. Ça va, tu es au village. Il faut que tu ailles voir le pâté là. Depuis l'autre jour, il est occupé dans ses marches bizarres. J'ai quelque chose de mal de faire, il tourne. Et c'est urgent pour moi. D'accord. Dans le pain, il faut filmer un peu ce que le pain te fait. Tu m'envoies tout à l'heure. Ah, d'accord, d'accord, ça va. Quand il finit alors le soir, tu m'envoies la suite. D'accord, ça marche. Oui.
En l'intérieur, on va apporter l'effigie de la Vierge Marie, on mettra ça à côté de sa photo. Oui. Non, les statuettes, ça. Super, pas de problème. Tout à l'heure. Je vais t'appeler après, je finis dans 1 heure environ, je suis en direct. Je m'excuse pour l'interruption. Vous savez, le plus grand frein de notre génération, le manque d'action. J'ai bien dit tous, donc comme tu écris tout cela, tout ce que tu connais. Je me rappelle quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je lance. J'avais honte que les gens qui me connaissent, en fait, ils me voyaient seulement comme oui, Jocelyne, j'étais coiffeuse avant. J'étais coiffeuse. Et j'avais honte qu'on me voie. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des contacts à qui ils ne peuvent pas m'envoyer mes choses. Même quand ils me connaissent, ils ne peuvent pas. Que laver vos selles, non, parce que non, ça me fait bizarre. Donc ce que l'ennemi va faire sur vous, c'est que il va peut-être faire que si tu as un talent que tu veux donner, montrer aux gens, que tu aies honte. Tu vas te dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, mais je suis Stéphanie, non. Je suis Solange, non. La honte et la peur. La honte et la peur. Ce que Dieu t'a appelé à faire. Les gens doivent connaître. Sinon, tu restes dans ta pauvreté. Reste avec les dettes de ton mari. Supposons, Élisée lui disait, va. Et elle ne vavait pas. Ce qui vient d'arriver, on parle de vaver. Le verbe vaver, c'est un nouveau verbe. Je vais relire. 2 Rois 4. Il dit, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai rien, je n'ai qu'une vase d'huile. Il lui dit, va. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Et il précise, des vases vides. Oui, tu es coiffeuse, il y a des coiffeuses qui ont un autre appel. Les choisis n'ont pas seulement un seul appel. Généralement, c'est plusieurs. Et tant que tu ne fais pas l'autre cela, tu vas te tourner comme ça là. Ou qu'on feigne, feigne. Il dit, n'en demande pas un petit nombre. Donc, comme tu parles, si tu veux vendre la marchandise, ne vends pas un peu, vends beaucoup. En passant, je vais prendre une petite pause pour dire merci. J'ai beaucoup d'entre vous qui m'avez envoyé des cadeaux. Il y en a un qui m'a envoyé leur. Il y a une qui a envoyé sa mère me donner le cadeau ici là. Il y a une qui a un qui a envoyé sa fiancée ici là me donner le cadeau. Vraiment. Toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux, de près ou de loin ou, je vous dis merci. Hier était en train de faire le direct ici là, mes employés m'ont fait la surprise. Je crois que vous aviez vu. Voici un truc que quelqu'un m'a donné, le truc c'est pour boire le café. Ça me fait plaisir et ça me touche énormément que malgré vos propres situations,
vous faites l'effort de penser à moi. Vraiment, je vous dis merci. Et à tous ceux qui m'envoient le vin pour que je saoule là, merci. Que Dieu vous bénisse, que vous saoulez d'argent aussi. Le nombre d'alcool qu'on m'envoie, on m'a donné. Tché. Alcool et chocolat, voilà les deux choses que j'ai remarquées que vous me donnez trop. Donc vous voyez comme une femme qui saoule. Hein? Donc, Seigneur, je prie pour chaque personne qui m'a fait des cadeaux. Chaque personne qui physiquement, qui a même pris son temps pour m'écrire, pour dire joyeux anniversaire. Merci. Que la grâce se dépose sur vous. La même grâce de santé, de prospérité qu'il y a sur moi. Ceux qui m'ont donné le cadeau en avance, ceux qui vous seront même en retard, je dis merci. Comme vous avez pris une seconde de votre temps, une minute pour faire cela, que le Seigneur lui-même dépêche des gens qui vont prendre leur temps. Oui. Madame Yvette, voilà ta part que tu m'avais donnée, c'est cela. Je calcule un jour, moi-même je vais boire ça. Il y a un autre vin qu'une de mes filles m'a donné là. C'était sucré. Le genre de vin qui te saoule comme les blagues. J'ai vu ça hier, commencé à bavarder ici là. Heureusement que quand elle saoule, il ne fait pas moi les mauvaises choses. Il n'insulte pas moi les gens. Donc, que le Seigneur déverse sur vous la grâce. Que les gens sortent de nulle part pour venir vous aider. Que les gens se déplacent de loin. Que les gens quittent dedans, on m'a dit de extra mile. Qu'ils fassent ce qui n'est même pas souvent faisable pour vous. Je suis arrivé à l'aéroport hier. Celle qui tient le rayon VIP, elle me dit qu'elle s'appelle comment? Oui, je me rappelle son nom. Elle me dit non, viens, viens, je t'attends au rayon VIP, viens. Qu'on vous reçoive toujours en VIP partout où vous partez. Que toutes vos choses marchent, que ce mois de novembre soit pour vous un mois de bénédiction. Que pour votre prochain anniversaire, les gens vous surprennent comme on m'a surpris. Que ton chéri Coco, comme il néglige souvent tes anniversaires là, qu'il te surprenne, qu'il commence à savoir ce que tu aimes aussi. Et que ce soit des choses que tu aimes, qui te font plaisir. Au nom de Jésus, amen. Parlons de Vavé maintenant. Merci pour vos vœux. Merci. Mon anniversaire, c'était avant-hier. Donc, le 31, on m'a fait sauter son anniversaire. Hier, je me suis déplacé pour le Cameroun. Donc, c'est là aussi qu'ils m'ont donné beaucoup de... Il y avait les surprises que je n'attendais même pas. C'est le jour de mon anniversaire à 18h30 que j'ai décidé de recevoir les gens chez moi hier à 18h. Donc ça s'est passé en 24h et les gens sont venus. Ils ont mangé cela jusqu'à... On m'a fait le gâteau avec la couronne sur ça. Merci beaucoup. Donc, il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Amen, amen, que je sois toujours comblé. Et il dit, ne demande pas un peu. Toute la semaine, si on va célébrer, votre problème souvent, c'est que quand vous faites quelque chose, vous faites un peu. Comme ça. Juste un peu, comme on dit, me jouer. Faites beaucoup. Écrivez cela. Que je vais faire beaucoup. Aujourd'hui, on parle seulement en termes de va. Je vais faire beaucoup. Merci, Dorcas. Green, merci. On ne dit pas je vais, on dit je vais. Jade, c'est quoi avec toi? Je vais faire beaucoup. Merci, madame ou monsieur qui me souhaite son anniversaire.
31 était ton anniversaire. Le 1er, j'ai une proposition de contrat de travail. Super. Que ton travail se passe bien, ma chérie. Super, tu as reçu ton kit fondation. C'est toi qui avais écrit à 23 heures que tu demandes une. Tu ne sais pas que tu es au Canada là-bas, nous on est ici en Afrique. Tu écris à 23h17. Hein? Vous devez faire beaucoup. Souvent, une chose peut te donner 500 par article. Tu peux faire seulement 10. Un jour, je trouve une fille, je ne sais pas ce que je voulais acheter. Je vois, je lui dis, bon, elle vendait le foléré. C'était à Abidjan. Oui, elle vendait le foléré. Je lui dis, partage à tout le monde que tu vois ici là. Donc va sur mon blog, il y avait peut-être 4 magasins. Il y a 4 magasins. Donc je lui dis, entre dans les magasins, là, tous ceux qui sont là-bas, donc tu leur donnes. Elle peut être donnée, elle revient avec la moitié de sa marchandise. J'ai dit que yay. Je te dis, bah, tu peux ta marchandise, tu peux donner la moitié. C'est comment? Donc, il y a un truc dans la tête des gens que même si on t'amène quelque part, on dit prends tout ce que tu veux. Elle va aller prendre. Oui, voilà ce que je veux. Vous ne vavez pas beaucoup, pourquoi? En fait, j'ai l'habitude de toujours vaver mes choses beaucoup. Quand il veut faire le cadeau à quelqu'un, il fait toujours beaucoup. Quand je sais pas, donc, il y a une mentalité en moi là que. Un jour, le Seigneur me montre une révélation. Que tant que tu n'arrives pas au degré où tu fais les cadeaux aux gens sans compter. Donc, on reconnaît la grandeur d'un homme par le cadeau qu'il fait à quelqu'un. Vanessa, ne me tente pas. Va écrire, les employés vont te répondre. Tu sais que quand il fait mon direct, il parle ma chose, je ne vais pas me distraire. La grandeur d'un homme se reconnaît par la qualité des. Pas par ses constructions, mais par la maison. Par la maison. C'est le cadeau que tu peux faire à quelqu'un. C'est là-bas que moi, il mesure l'homme. Tu vas voir que quelqu'un a un gros téléphone dans sa main. Il est habillé. Il a une grosse voiture. Qui t'a fait ça? Parce que pour donner des positions hautes dans la société, Dieu connaît qui il peut prendre pour déposer. Tu peux là, tu es riche, tu as ceci, tu as cela. On sait que si tu as, c'est seulement pour toi. Tu crois que Dieu va t'élever pour que tu sois président de la République? C'est les gens qui partent prendre le budget de l'État, ils mangent, ils font leur maison, ils construisent leur château avec. Quand tu vois quelqu'un que quand il n'a même pas le peu qu'il a, tu le vois dans les œuvres caritatives. Allons faire le don dans tel orphelinat. Panchan, il est là. Allons se mettre tout là-bas. Panchan, allons mettre la pierre, première pierre pour construire des trucs. Il est même pas sa part. Dieu n'est pas bête. C'est vous qui prenez Dieu pour un bête. God no be fool. Oui. Bonjour. J'ai vu l'enfant qui sautait là-bas comme la sauterelle. Bonjour bébé, ça va? Tu as bien bu le lait? Hein? Vous voyez comment tu sautillais là? Saute encore, je vois. Saute. Saute alors. Tu veux chanter? Chante ce que tu me chantes. Quand votre enfant arrive, elle ne veut plus parler. Vivant pas,
Vive le vin, vive le vin d'hiver. Si ça va vous n'aider, je n'ai pas, je n'ai pas. Yeah! Attends, va applaudir pour toi. Ouais! Bravo mon bébé. Regarde comment tu veux éclairer ma matinée. Pas le bonbon alors. Merci pour ta belle chambre. Voilà. De rien mon bébé. Pas alors, tu fais bien goût, non? Ouais, d'accord, merci. Ouais, Seigneur. Quand elle ne veut pas, ça m'a étonné même qu'elle chante. Quand elle ne veut pas chanter, tu fais n'importe comment, tu regardes comme ça là. Mais quand elle commence à chanter, elle va sautiller, sautiller. Ah, Seigneur. Bénis vos enfants. Vos enfants ne manquent pas. Vos enfants ne manquent pas. Qu'ils soient toujours bien encadrés, que vous ne manquez pas d'argent pour vous occuper d'eux, pour payer leurs écoles. Qu'ils se sentent aimés. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, que Dieu vous en donne en abondance. Que Dieu vous donne des enfants qui sont comme des anges. Tu vois le genre d'enfant que tu restes là, tu dis que yeah, Dieu, qu'il y a enfant, mais il y a enfant. Que Dieu vous donne les enfants. Les enfants qui vous soulagent. Un an, l'enfant est comme ton père. Oui. Mature, posé. Que vos enfants ne vous dérangent jamais. Que vos enfants ne vous dérangent jamais. Je cherche un agent de nettoyage à ma cape et là. J'ai besoin de quelqu'un pour venir pour nettoyer souvent. Tu n'as pas besoin d'avoir fait quelque chose à l'école. Je suis fatigué. Je cherche. Ça fait déjà 3 semaines qu'on cherche l'agent de nettoyage. Ou bien si vous êtes deux personnes qui peuvent venir, vous nettoyez peut-être d'une certaine heure jusqu'à 12 heures et vous rentrez. Parce que c'est qu'il y a les mamans que vous avez des choses à faire avec vos enfants. Mais je veux quelqu'un qui va nettoyer le local ici parce que le matin ça prend du temps à mes employés. Bon, on continue. Je parlais du fait que souvent vous n'avez pas la capacité de. Quand vous faites un peu. Je parlais aussi du fait qu'on reconnaisse un grand homme à travers ce qu'il sait faire. Il y a des gens ici là que vous savez que s'il dit que faisons la collecte de fonds. Tu vas facilement que on donne l'argent par où? Que s'il organise la réunion. S'il organise la réunion, tu vas partir faire sa réunion. Bah, je sais que ton argent est su quelque part. Que vous soyez des personnes fiables. Je veux l'argent de nettoyage pour tous les jours de la semaine, s'il vous plaît. Parce que la maison doit être nettoyée constamment. Bonjour, V25. Je continue l'histoire, on était en train de lire 2 rois chapitre 2. Non, chapitre 4, pardon. 2 rois 4. Il lui a demandé d'aller demander les vases, elle est partie. Il lui dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Beaucoup de choses que vous êtes appelé à faire, vous allez faire avec vos enfants. Beaucoup de choses vous allez faire avec vous et vos enfants. Quand il dit ferme la porte sur toi, vous avez trop de distractions. Trop. Vous n'avez rien de concret que vous faites. Tu commences un projet, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Tu vas verser donc dans tous ces vases
ton huile et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Il donne une stratégie de business. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. On fait comment pour vous contacter? On fait comment pour vous contacter? Ne viens pas, tu as compris? Tu as compris, ne viens pas. Beaucoup d'entre vous, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne faites pas. C'est pas pour rien que la Bible insiste que elle le quitta. La prochaine chose qu'elle est partie faire, fermer la porte sur elle et ses enfants. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Qu'est-ce qui se passe? Lui s'arrête. Ouais, Vince, je n'ai pas répondu. Il dit que tu ne connais pas mon numéro, tu laisses. Tu as compris? Je ne connais pas mon numéro, tu laisses. Vous aimez le beurre et l'argent du beurre. Donc, vous venez vous asseoir, tout vient vous trouver chez vous. Comme tu n'avais pas bien compris, tu redis la même chose. Et parfois, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens qui sont faibles d'esprit ou qui ne veulent pas bosser viennent dans mon entreprise et fuient. Beaucoup d'entre vous qui me suivez là, vous êtes paresseux. Pour vous, vous dites que ouais, comme c'est le spirituel, non. C'est le spirituel, non. Si il vient là-bas, ça... Non, c'est une entreprise. Vos parents qui ne vous ont pas grondé dans l'enfance ne vous ont pas fait du bien. C'est pour ça que vous souffrez aujourd'hui. Je vous dis hora. Où sont passés les gens qui savent fouiller? On a internet, sur internet, il y a tout. Mais vous ne voulez pas vous faire. Non, non. Oui, c'est où? Ma grand-mère paternelle, j'ai grandi avec elle. Elle avait une habitude qu'elle t'envoie. Elle dit, il change une drogue. Je ne sais même pas. Elle va te dire un faux truc comme ça. Elle dit que c'est là-bas dans la chambre. Elle te dit, va dans la chambre, tu portes le truc là, tu vas me donner. Souvent, elle te dit le truc. Hein. Elle dit, joue-moi. Elle dit, maman, colis. Elle ne t'a même pas dit ce qu'elle veut. Tu pars dans sa chambre, tu t'arrêtes. Tu dis que si elle vient demander à la grand-mère, c'est là, elle va me taper. Souvent, elle te dit ce qu'elle veut, mais elle dit, va chercher dans ma chambre. Ah! Mon petit frère était chef pour aller se cacher dans la chambre de la grand-mère. Parce que quand il arrive, il ne trouve pas le jour qu'elle a dit là. Il reste, il dit que c'est ça, il dit qu'il n'est pas vu. Elle va me taper d'abord, elle va me gronder avant de me indiquer là où c'est. Il arrive là-bas, il tourne dans la chambre. Souvent, mais comme là où ça c'est, la porte de ta chambre était à vue. À vue d'œil. Donc tu vois qu'il sortit la porte pour sortir la barrière. Agent d'entretien, il faut venir aujourd'hui. Si tu es intéressé, tu viens aujourd'hui. Ben, vous connaissez, vous allez vouloir faire que. Donc, mon petit frère, tu le trouves souvent dans la chambre de la mère. S'il avait le jeu vidéo le temps, c'est qu'il devait partir s'asseoir, jouer à son jeu vidéo dans sa chambre. Et ce qu'elle disait après, c'est vrai que c'était. Souvent, ce qu'elle t'a envoyé chercher, c'était à vue d'œil. Mais. On a une paresse en nous là qui fait qu'elle
Elle doit me dire que c'est à côté du verre qui est sur la table, à 3 cm de ceci. Vous ne connaissez pas chercher. Tu es père de famille. Tu es père de famille. Tu es là, tu tombes. Moi, il y a Tefab, mais je ne parle pas de Tefab. Si l'argent venait avec précision, c'est que tout le monde est riche. Écoutez. Mais par contre, hein, l'argent n'est pas caché. Là, j'ai parlé de l'argent d'entretien, non. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 personnes qui ça les intéresse. Mais ils vont dire, ah, elle n'a pas mis le numéro à appeler. Je voulais qu'elle m'envoie le lien WhatsApp pour que je clique sur ça dans la ding ding. Quelque chose qui va te donner l'argent. Donc voilà maintenant, je sais comment faire pour arriver à la maison. Donc tu ne peux pas prendre le numéro sur ma page, tu appelles. Ne viens pas, hein, maman, tu as compris. Oh, you know. Ten, why you? Ne viens pas, toi. Vous aimez la facilité. Merci beaucoup, Malène. Tout ce qui est facile coûte cher. Laissez-les, pardon, ils vont venir se lever et gronder. Quand ils voient les gens, c'est la paresse. C'est la paresse. C'est la paresse. Tu parlais de déposer tes enfants à l'école. Avant de rentrer à la maison, préparer à 13h, tu pars travailler quelque part. Vous êtes paresseuses. Beaucoup d'entre vous qui me suivez. C'est pour ça que je ne peux plus dire avec vous. Quand elle fait mes trucs, même c'est cher comme ça là. C'est pour ça qu'elle ne veut plus vos maux de tête. On dit, voilà les passages que tu dois lire pour faire ton truc. Je lis comment, c'est quoi? C'est un. Prends le produit, tu regardes. Sur mes produits que vous avez reçus, vous avez vu qu'il y a la notice, non? Bonjour, celle qui me suit du Gabon. Il y a la notice, n'est-ce pas? Souvent, quelqu'un m'écrit, hein? Il y a la notice sur le produit. J'ai fait comment, je verse combien? Fais l'effort de lire, non, ma chérie? Avant, je ne prêtais pas attention aux détails, hein? J'étais très paresseuse. Quand tu es paresseux, ce qui se passe, c'est que dans tes relations, on va toujours t'exploiter. Alors, tu vas tomber sur un mec, il va te cacher des choses, il va te mentir, il va te... Parce que tu es dupable. Tu es facilement dupable. Angie, tu te casses même pourquoi, mamie? J'ai envoyé une de mes employées l'autre jour. La saison où je l'ai envoyé, j'ai envoyé deux autres personnes. Donc, j'ai envoyé trois personnes en même temps. Et avant de vous envoyer, vous avez donné les avertissements. Deux autres sont partis. Elle a refait la lettre. Elle dit que je pense que je dois rester dans ton entreprise. C'est pour ça que si quelqu'un me suit sur ma page, ne viens pas dans mon entreprise. Parce que quand vous arrivez ici, là, vous croyez que vous ne me voyez pas, hein? Mes employés ne me voient pas. Une est venue ici comme ça là. J'ai envoyé au Cameroun. Elle a son poster. Elle veut seulement venir me voir dans mon bureau. Je dis que ma chérie, quand je suis au Cameroun, les employés sont là depuis le matin. À part l'enfant qui est venu ici là me saluer. Tous sont là-bas devant le travail. Vous confondez les choses. Merci, Robia. Bonjour, le roi James. Oui, oui, ça c'est à vendre. Vous avez des. Je vends ça. Moi, vous savez qu'elle vend tout, non? Comment vous me demandez encore? Ok. What it be this? Are they sell everything? Après, comment c'est les manières maintenant qui commencent dans l'entreprise? Quand on cherche l'argent, hein, il n'y a pas le sentiment sur ça. Oui, je vends les bagues ici. Les bagues au mauvais oeil. On a aussi des trucs mauvais oeil ici. Il n'y a pas le sentiment sur ça. Je ressemble à Brendan Biya. Je crois que je vais lui écrire. Je lui dis que mamie, pardon, je suis fatigué. Je suis fatigué comme me dire que tu ressembles.
Chantou, c'est notre mère. On va la soulever jusqu'au ciel. Qui parmi vous s'est déjà retrouvé au métro de Paris? Monsieur James, c'est bien ça, pas de sentiment. Le métro de Paris, si tu arrives là-bas, tu n'es pas vif. Tu n'es pas vif. Et, en fait, je n'aime pas partir au métro de Paris parce que je préfère encore même Londres. Il y a telle voie, il faut marcher. Un jour, on a marché dans le métro là-bas pendant 10 minutes. Je dis que mes mamies, on est trop souterrain. Yay. C'est quoi ça? Écoutez, les gens qui veulent partir en Bengue, vous êtes par ceux-là. En Europe, on ne t'indique rien. Écoute, on ne t'indique rien. Tu arrives, on te donne le papier. On dit que va à la carte là-bas. Hey! C'est quand tu te perds une fois, deux fois. Personne ne te dit que tu as raté ton arrêt. Oui. Oui. Tu cours encore, ne te demande non. Oui. Maman, tu as les tumeurs là. Pardon, contacte-moi, il peut travailler sur toi. Il a bonjour, bonjour. Le baptême de chaque personne ici là, c'est que tu t'es appelé, tu as raté ton arrêt au moins une fois. Il y a une de mes filles, elle est arrivée en Belgique l'autre jour, elle me dit que j'ai eu le baptême du métro. Je suis arrivé à des loin, loin, quelque part vers Charleroi là-bas, alors que je partais à Bruxelles. Et vous connaissez les IC, non? Les IC. Le IC, généralement, quand ça part le matin, ça a seulement deux arrêts. Bruxelles, après on te dit Charleroi. Tu dis que, monsieur le contrôleur, le prochain arrêt c'est quand? Il te dit dans 30 minutes. Et tu lui as payé le ticket. Seigneur. Oh là là. Oui, non, mamie. Michel, la vie, c'est la bastonnade. Là, tu es là, on dit qu'il y a le boulot, tu dis que c'est où? Tu attends qu'on t'appelle. Et je me suis toujours dit, quand je suis arrivé au Cameroun, je suis convaincu qu'il y a des jeunes au Cameroun qui peuvent réussir sans forcément aller en B. Si quelqu'un résiste 6 mois dans mon entreprise, il quitte, il part ailleurs, il n'aura pas de soucis. Il va arriver là-bas, il va aller à un poste élevé, il ne peut pas rester là où il y a tout le monde. Chez moi, c'est formation continue. On te check tous les jours. On te critique. Ils sont habitués à la critique ici. Les 5500 de pénalités que je les prends. Je mange mon agent quotidien au Cameroun, c'est celui-là, 5500. Il y a les talkie-walkie. Je te parle, tu n'as pas le talkie-walkie là-bas. 500. Je vois, tu te dépasses, tu fais 500. Parce que les lois ont été mises par Dieu ou dans une entreprise pour vous faciliter la vie. C'est pour ça que tu vois, tu arrives en Europe, tu vois quelqu'un qui cherche seulement le blanc. Tu veux que quelqu'un, ses papiers qu'il a durement travaillé, son travail qu'il a durement fait. Toi, tu viens, tu t'assois, tu ouvres seulement tes pieds comme ça là. Hein? Faut arrêter la sorcellerie. Hein? Arrêtez. C'est vous là, c'est vous qui faites de la sorcellerie. Hey. Là voilà, c'est ce que quand la femme s'y venait à dire à Élisée que voilà, mon mari est mort, je suis veuve. Il avait les dettes. Ce qu'elle croyait qu'Élisée allait dire que bon, retirez 5 millions dans la caisse, vous lui donnez. C'est ça, mon, le fainéantisme, tu as bien dit. Et c'est qu'il y a les créateurs de contenu que vous suivez ici, là.
les créateurs de contenu que vous suivez. Et c'est ça qui vous enseigne. La promotion de répétition de 10% sur les produits, ça continue. Ça finit le 5, donc dimanche. Jiresse, bonjour. Donner 5 millions à la veuve. C'est une veuve, bien sûr. Désolé, comme tu as perdu ton mari. Hein. Oh. Je suis sûr que son mari, là, lui-même, était paresseux. Parce que lui, là, était chez eux depuis. Tous les jours, il sortait, il partait. Je n'ai pas balayé l'église. Le prophète Élisée est là. Oui. Les dettes 31. Si vous ne dites pas le code, on ne vous donne pas la promotion. Voilà ça que l'homme de Dieu lui donne un coaching de business. Il rentre à la maison. Il ne sait pas pourquoi Facebook bug. Facebook, vous me suivez maintenant, j'espère. Pour la promotion, vous avez 10% de réduction sur tous les produits. Consultation, produits, lecture de cartes, tout. C'est depuis au moins 4-5 jours. Et ça se termine dimanche. Quand tes produits finissent, prends encore. Ça finit, tu prends encore. Ok. Le poste de réceptionniste est disponible, Corinne. Envoie ton CV par email. Donc, tu écris, tu demandes l'email. Tu as compris. Tu vas passer le processus de sélection. On va te contacter aujourd'hui ou demain. Je ne veux plus que quelqu'un entre facilement dans mon entreprise. Vous venez ici avec la paresse. Va sur ma page, regardez. C'est qui demande les produits de quoi? Les trucs comme ça. Comme les bagues. J'ai dit que pour profiter, tu dois dire le code promo. Si tu ne dis pas le code promo, ça veut dire que tu n'étais pas au courant de la promo. Tu m'as bien suivi, mamie. Tu as suivi, non? Je continue ce que je disais. Élisée n'a pas donné de l'argent à cette femme. Il ne lui a pas donné de l'argent. La bague, c'est disponible à Douala et au Gabon, je pense. À Abidjan aussi. Avec les bracelets, tout ce que vous voyez sur moi là, je vends. Même le t-shirt est choisi. Le t-shirt, c'est choisi. Continuons. Elle dit ceci. Lorsque les vases sont remplis, et donc elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile. La boutique à Louis, c'est en face de l'hôtel de Louis. Une femme enceinte peut utiliser mes produits, sauf ce qu'on boit. Ne buvez pas ou ne léchez pas les trucs quand vous êtes enceinte. Lavez-vous seulement. Mon anniversaire était super, vraiment. J'ai reçu des cadeaux de partout. Voici même les autres ici-là. Mon bureau est plein de cadeaux. Je voulais débarrasser ma table, mais ça tue encore même seulement. En face de l'hôtel de Louis. Donc, il lui dit, va vendre l'huile. Et paye ta dette. Ça veut dire que sors. Comme tu es d'abord sorti, tu as demandé. Tu as vavé, tu as demandé. Maintenant, va. Tu vas. Écrivez ici, je vais vendre. Pas je vais. Je vais vendre.
paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Peut-être qu'elle va vendre l'huile, elle va obtenir 20 millions. Alors que si lui donnait l'argent, elle a donné peut-être seulement 500 000 pour l'aider. Les idées qu'on vous donne sont plus productives. Ça, c'est disponible. Vois les messages en inbox là-bas. C'est disponible. En fait, vous aimez souvent tenter les gens. On dit, le code promo est valable sur tous mes produits et services. Tu viens, tu me dis que même la bague est le code promo. Je ne suis pas bête. Et vous connaissez. Manque d'attention. On te parle dans le rêve. On te dit, va faire ça. Tu te lèves le matin, tu oublies. Bon. Robia, comme tu as dit de parler, je vais vérifier la conversation. Hein. Donc, tu dis que tu as écrit que promo 31, je veux la bague, c'est combien? C'est ça? Parce que vous, là, souvent, vous venez vous mentir sur mes employés. Alors qu'on n'avait pas bien parlé. Il m'arrête même plus sur toi. Il faut laisser. Je crois que c'est même pas la première fois que tu achètes les produits ici. Ma chérie, tu ne peux pas me voir. Je ne consulte pas physiquement. Tu as compris? Voilà. Ne venez pas m'embêter. J'ai les choses par téléphone. Tu crois que c'est parce que tu vas donner 70 000 que tu vas venir. Je vais m'asseoir pour te voir. Je ne vois pas les gens. Au Takanan. Quand vous voulez quelque chose, vous devez sortir tout. Quand on vient d'arriver dans une salle, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on écoute, non? Que je viens d'arriver, vous parlez de quoi? Attends, il te bloque même. Allez faire ça dans les comptes TikTok d'autres personnes. Ne venez pas chez moi faire des bêtises. Il y a une deuxième histoire que je veux vous lire. La femme de Sunem. En anglais, on dit the Sunamite woman. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Donc, elle a commencé d'abord par lui donner la nourriture. Elle a donné d'abord à manger. Deuxième chose, chaque fois qu'il passait, elle dit que dès que tu es dans la ville, viens chez moi dormir. Parce qu'il y en a parmi vous. Vous vous occupez des hommes de Dieu après, c'est vous qui racontez encore dehors. J'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour elle. Elle est ingrate. Tu ne connais pas ce que tu fais. Si Dieu t'a mis à cœur que fais ça pour tel homme de Dieu. D'ailleurs, c'est un honneur pour toi de recevoir l'homme de Dieu chez toi. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu.
Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Donc, ils ont construit. Aujourd'hui, vous êtes des gens que vous êtes tellement prostitués spirituels. Il suffit que tu as appelé une fois, la personne n'a pas décroché. Hein? Voilà. Avec toute la dîme que je paye chez elle là. Hein? Je prie que Dieu vous permette de localiser vos hommes et vos femmes de Dieu. Je prie que le Seigneur vous permette de comprendre. Vous ne comprenez pas la spiritualité. Quelqu'un peut être une personne ordinaire. Une personne ordinaire. Mais quand elle te voit, il y a l'activation pour que ta parole sorte de sa bouche. Quand tu trouves cette personne, ne t'amuse pas avec la personne. Oui, maman, le Maroc, là, vraiment, c'est pas évident. Et une femme à qui on a un colis sur dos arrive au Maroc. Donc, ce que tu sais, tu peux prendre le risque, mais on poste par DHL. Je sais que vous êtes des prostituées spirituelles. Dimanche, tu es à l'église. Tu fais ce qu'on te dit à l'église. Tu viens encore dans mon groupe. On dit, tu fais. Tu pars encore de tel côté. On dit, tu fais. Tu es sur une autre... L'autre jour, j'ai quelqu'un... Vous savez qu'il y a un homme ici en ligne qui milite beaucoup contre le bain de pipi. Je ne vais pas le nommer. Je ne suis pas... Et ne commentez même pas son nom. Bonjour. Vous devez être tellement familier avec les gens. Tu restes même souvent là, tu la tutoies. Tu veux. Quand tu fais comme ça, le jour où la personne va te dire ta parole qui va t'aider, tu ne vas pas faire. Parce que la familiarité, le manque de respect est déjà entré. Et s'il y a des hommes de Dieu qui m'écoutent, je vous en prie, ne vous familiarisez pas trop avec les gens. On peut rire avec vous. Mais ce n'est pas parce que la personne rit avec vous que oh, lui, la mère, ah, elle, là, ah, pardon. Un appelé, c'est un appelé. Que tu lui manques de respect ou pas, ça n'enlève pas l'appel de Dieu sur sa vie. Bonjour, monsieur Ibrahim. Vous devez développer la capacité de dissocier les sentiments. Dissocier. Elle dit à son mari, prenons notre argent. Construisons la maison, la chambre pour l'homme-ci. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Vous savez, il y a les hommes et les femmes de Dieu qui marchent avec les anges. Comme il vient, il se met dans ta propriété comme ça là, il couche, seulement le fait qu'il met sa tête. Tu ne vois pas le nombre de malédictions qui est brisé sur ta vie et la vie de tes enfants, sur même 10 générations. J'ai une de mes petites comme ça, non. Elle aime beaucoup écrire aux gens. Et moi, je lui dis que mamie, je ne parle pas moi beaucoup. Même avec mes enfants, quand elle parle, c'est pour dire ce qui est important. Je ne connais pas faire des trucs que vous bavardez beaucoup. Eh oui, toi dis, non, toi dis, non, toi raccroche, non, raccroche. Non, je ne suis pas dedans. Dès que tu te raccroches une fois en propre, j'ai raccroché. Et vrai, elle m'écrit beaucoup, 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 beaucoup.
Je lui ai dit qu'elle était bloquée. Elle faisait ses vidéos avant. Quand elle fait une petite vidéo, elle m'envoie. Elle dit que mamie, je suis comment dedans. Quand elle fait même mes vidéos, c'est pour dire quelque chose de clair et d'important aux gens. S'il vous plaît, je ne veux pas les bavardages dans les couloirs. Pas de bavardage dans les couloirs. Les pampampés là. Merci. Le jour où ma télé est bloquée. Que je ne veux pas. Et voilà, ce que tu veux, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ta cota que tu vas faire. Tu veux, on, ok. Sachez respecter la position de chaque personne. Et vous ne savez pas que c'est à votre avantage. Vous ne savez pas. Quand tu joues trop avec un enfant, en partant puiser l'eau, il te demande de prendre son seau. Oui. On a fait le même nombre d'années. Tu connais d'où je viens? Oh. Élisée étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc elle le nourrissait depuis des mois déjà. Elle donc, elle décide, elle prend un projet, elle prend des architectes, on construit sa chambre. Et vous savez, de nos jours, les gens aiment qu'on les impressionne. Quand tu les impressionnes pas, ils te simplifient. Vous aimez qu'on se présente devant vous avec les téléphones qui ont trois yeux. On se présente devant vous avec les grosses voitures, c'est ça qui vous impressionne. Je n'ai pas le temps de vous impressionner. I just don't have the time. Pourquoi tu as couché, coupé les cheveux? On se connaît, t'es débloqué. Ok. Quand tu vois le téléphone, quand j'ai acheté ma part de téléphone, l'autre, j'ai un de mes employés qui dit, madame, vous savez, quand vous allez arriver, maintenant, quand moi je prends un rendez-vous souvent, je dépose seulement mon téléphone sur la table comme ça, là que... On connaît que je ne suis pas perçu, je ne suis pas n'importe qui. Il dit que wow, wow, wow. Personnellement, je ne suis pas impressionné par ça. Deuxièmement, si j'arrive quelque part et vois, tu commences à un peu faire comme si tu es impressionné par ce que j'ai. Je fuis les gens qui font la talakou. Vous savez pourquoi? La talakou peut faire tu vis de ton compte. Quand elle n'est pas au fait, je prends toujours un peu d'argent les mains sur moi. Juste un peu. Vous me m'aimez parce qu'elle va verser l'argent sur vous. Et puis quoi? Écoutez, ne m'appelez pas diamant de quelque chose, je m'en fous. Je ne mange pas, je ne croque pas, je ne bois pas, je ne fume pas le diamant. Ne vous dérangez pas. La talakou peut faire tu finis ton argent sans comprendre. On dit, oh ya, maman, donne les lumières, oh, hey, oh ya, tu fais, hey, tu vas, tout va là, tchang, 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 tu dis que 10 000 c'est même quoi, tchang, 15 000 c'est même quoi, tchang, 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 je ne suis pas mal dedans, je vous fais prendre l'argent, c'est pas de nos orphelins de main, je vous assure, quand elle va, on se dit que, yé, l'argent des orphelins, c'est tout dans ma tête. Que l'argent des orphelins est... Oui. Oya, Oya, Oya la paroteuse, maman reine de lumière. Oya, ne me faites jamais la talakou, Ne me faites pas vous la talakou, pardon, laissez-moi. Maman l'argent, pardon, laissez-moi. Hop. Appelle-moi pas mon nom, si tu veux que... Laisse-moi. Je suis pas dans vos choses là. Les flatteries sont dangereuses. Tu vois l'argent de trois papins, un carton de carreaux. Hey, ma porte centrale que va arranger. C'est pas ma faute, excusez-moi. Ma porte centrale, oh. Je dois finir de faire ma devanture, oh.
Ceux qui sont venus chez moi, vous avez vu comment mes travaux sont en train d'avancer. Oui. Je peux même donner le pouvoir à un de mes employés. Je peux faire la promotion mensuelle pour un employé. Nawati. Il fait des tchakara, tchacha, tchacha, tchacha. Donc, je continue. Cette dame-ci, elle a reçu l'homme de Dieu dans sa... Donc, pendant des mois, elle lui donnait à manger quand il venait dans la ville. Après, elle a construit une chambre pour lui. Le jour où il vient se coucher, il met sa tête sur l'oreiller. Donc, en fait, elle avait commencé un niveau de bénédiction. Mais, elle n'avait pas encore déclenché une autre dimension. Je suis à Douala souvent, je suis à Abidjan souvent, je suis à Libreville. Elle n'avait pas déclenché une autre dimension. Oui. Certains parmi vous, écoutez, le cadeau fait quelque chose à tout le monde. Souvent, quelqu'un vient, il a payé son service, on le sait, voilà, il a payé le lavage, je le lave. Mais après, la personne te dit, je t'ai fait le petit truc, c'est là. Prends tes arachides. Tu dis, waouh, tu t'es arrêté seulement pour moi. Comme le bonbon qu'elle donnait à un petit fils, là, il y a une petite fille de 8 ans. Elle est venue ici, là, au service, pour l'anniversaire, avec sa mère. Et elle m'a apporté un cadeau. Et elle avait acheté deux bonbons. Je me dis, oh, c'est gentil. Tout le monde aime les cadeaux. Le cadeau provoque une autre dimension de bénédiction dans la personne. C'est pour ça qu'on vous déteste dans votre lieu de service. Vous n'avez jamais rien donné à quelqu'un. Bonam tach. Excusez-moi. Je parle en français. Vous êtes chichi jusqu'à ce n'est pas bon. Non, mais en français, ce n'est pas bon, non. Ça n'a pas le goût, non. Mes collègues, là, ne m'aiment pas. Oui. Alors, tu es chiche. On a. On y va. On a. Toi, quand tu regardes les gens, elle a me donné aussi. Elle a me donné. Tu viens à l'anniversaire de quelqu'un. Vous mangez. Donc même t'arrêter à la boutique acheter le jus. Le jus. William Jamen.com. Bonjour, monsieur William. Oui. Bonjour, comment tu vas? Je suis à Makepe. Apprenez à honorer les gens. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas les cadeaux. Parce qu'en offrant, vous avez le mauvais cœur. C'est parce que vous offrez le mauvais. Écoutez, les gens, on a les énergies en nous. On a les énergies. Donc, quand tu offres quelque chose, il y a les cadeaux que quand ils pendent comme ça, là, moi-même, je ne sais pas. Parce que ton cadeau, c'est quelque chose que tu as pensé. Tu as, you wrapped your energy around it. Tu as mis ton énergie autour. Peu importe ce que c'est. C'est pour ça que ce n'est pas la valeur du cadeau qui compte. Comme je vous ai dit, quand mes enfants m'ont fait le gâteau là hier, je vous assure, ça m'a tellement touché. Personnellement, ça, vraiment, on m'a jamais fait de surprise comme ça. Il y a le saxophoniste qui est venu ici là. Ils ont fait le gâteau. Voilà le truc qu'ils m'ont donné. En fait, j'étais... Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, le coach William. Le cadeau oblige ton âme et ta bouche à relâcher la bénédiction sur les gens. C'est parce que les gens ne connaissent pas comment provoquer ça chez quelqu'un. Je me rappelle mon oncle. J'avais un oncle footballeur. Njita, c'est le petit frère de mon père. Avec tout l'argent qu'il avait. Un jour, je pars le visiter. Il me dit, je dois apporter des arachides. Il dit, dans la famille... Voilà, il faut provoquer. Tu peux parfois porter des arachides à quelqu'un, il te donne 1000 euros. Ou bien il te donne une parole que 2021, j'avais tous les problèmes avec mon père. Genre, moi, j'étais tout fâché avec mon père.
Je reste un jour la nuit, comme ça, le Saint-Esprit me dit, achète la télé à ton père. Et mon père avait le genre de télé qui est enceinte par derrière là. Le genre de télé avec le gros derrière là. C'est ça qu'il avait. Je me réveille le matin, j'appelle un de mes petits, je lui dis, achète la télé, tu vas installer chez mon père. Quand il arrive avec mon père, m'appelle, il me dit, hier soir, ma télé s'est gâtée. Au téléphone, comment mon père m'a béni le jour-là. Je vous assure que je peux localiser à quel moment mes bénédictions ont commencé. Avec mon père. Le jour où je lui ai donné cette télé-là. Mon père ouvrait sa bouche, il m'a béni. Je savais que mon père connaissait, dit que je t'ai béni. Parfois, vous vous plaignez que certaines personnes n'acceptent pas. C'est parce que la personne, comme tu donnes, lui-même, il connaît. Il connaît. Une dame m'a offert une offrande. J'ai été provoqué à ouvrir le ciel sur sa vie. Mariage, business. Ce n'est même pas toi qui fais, en fait. Donc, comme tu parles, tu sens seulement comment lancer sur toi. Tu dis, les paroles ne font que couler. On a trop gâté les façons dont les choses se font aujourd'hui. Voilà Élisée. La femme lui donnait la nourriture tout le temps. Mais elle n'avait pas débloqué la prochaine dimension. Et c'est le jour où elle met sa tête sur le lit de sa chambre. Il met sa tête sur le lit dans sa maison. Il se réveille le lendemain. Voilà ce qu'il dit à Géasi. Appelle cette tsunamite. Quand elle vient, je lis 2 Rois chapitre 4 verset 13. Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Il ne l'avait jamais demandé. Jamais. Ça provoque l'onction de Dieu en toi. Les francophones jouent beaucoup avec les principes. C'est ça. C'est pas William, je ne sais même pas ce qu'il n'est pas encore ajouté. On ne peut que passer le temps à enseigner pour que ce n'est qu'avec l'enseignement progressivement. Je parle, je blague comme ça là, mais je sais qu'il y a des personnes qui comprennent ce que je dis. Ils ne blaguent pas avec. Eric, c'est un bonjour. Il y a des personnes que tu as des malédictions sur toi qui viennent de ta famille, donc sur des générations, tu es bloqué, tu fais des problèmes, ça ne marche pas. Engage-toi que je vais commencer à donner. Et je vous ai dit que quand tu donnes, avant de donner, parle sur ce que tu donnes. Parle sur ce que tu donnes. Souvent, ils reçoivent les offrandes. Il y a un jour, j'arrive ici, là, une maman avait donné 2000 francs d'offrande. Je touche tous les passés. Quand on venait déposer ici à Douala, quand j'arrive dans la ville, je demande, on me donne. Je touche sa part, je dis, mince. Il y avait une notion sur l'enveloppe de la maman là. Je demande à la secrétaire que ça c'est qui. Elle dit que la maman s'y a prié ici sur son tout. Je me rappelle d'elle. Elle a prié sur ça jusqu'à 2000 francs, c'est rien, c'est aux yeux de quelqu'un. Mais peut-être que c'est tout pour la mère là. Je voulais stabiliser mes finances. J'ai commencé à donner à manger à un prophète chaque mois. Voilà. Chaque mois, tu as vu la différence. Il y a les gens qui commencent, après ils arrêtent. Parce que vous serez tentés. Le diable va venir. Je vous ai dit, arrêtez la prostitution spirituelle. Localise ta personne. Tu dis que c'est le caterpillar qui va m'enlever d'ici. Voilà la dame-ci. Quand Géasi maintenant se lève, ça veut dire que son jour pour passer à une autre dimension était arrivé. Le diable va te dire de ne plus donner. Ah ah! Papa, c'est Dieu qui t'a appelé dans le direct aujourd'hui. Le diable va venir. Que regarde. Et la période là, tu peux donner la personne acheter la voiture. Tu dis que. Je suis les galères. Hein? Tu achètes la voiture avec mon argent. Il vous a dit que quand vous donnez. Parfois, tu vas voir un homme de Dieu comme ça là. Le jour où ça soit te raconter de ses années de souffrance. Les années où lui-même, il se met aussi dans la vie de quelqu'un. Hein? C'est un processus inévitable. Tu ne peux pas voir un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui te dit que moi, je n'ai jamais... Non. Le diable va couper toutes tes sources d'approvisionnement. Tu es testé. Oui. Tu donnes comme ça, là, le mois, là, ton enfant tombe malade. Ceci ne marche pas. Parce que tu es en train de te tester. Et ton cœur, l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Ah, ma tête, tu te rêves comme ça là. Ma tête t'énerve. Ils font la bavarde même trop. Eh, bavarde trop. Tu te désabonnes, tu fuis. Quand tu localises ta personne,
Le diable va t'amener à ne plus donner pour fermer ton ciel. Merci beaucoup, papa. Vous écoutez, nous ici au Cameroun, moi j'ai grandi au Cameroun. Et quand je suis arrivé en Europe, je suis arrivé dans une église, la première église était une église nigériane. Je ne connaissais pas ces principes. J'ai commencé à s'aimer en 2011. Je vous le dis souvent qu'il raconte mon histoire. 2011. Tu sèmes, tu ne vois pas. 2012, tu sèmes, tu ne vois pas. 2013, tu sèmes, tu ne vois pas. 2014, tu sèmes, tu ne vois pas. 2015, 16, 17, 18, 19, 20. C'est en 2021, après avoir fait 10 ans. C'est pour ça que je vous dis souvent que quand vous commencez le chemin-ci, si vous n'êtes pas solide, que peu importe ce qui va se passer, je suis là. Gepesi, geyem. Geyem. Bonjour Jolita. Et quand vous lisez l'histoire de la dame-ci, de la femme tsunamite avec Élisée, c'est un long chemin, hein? Beaucoup d'entre vous, vous trouvez votre bénédiction quelque part. Dès que c'est ouvert, vous fuyez. Ne faites pas cette erreur. Dieu même a donné ce qu'il avait de plus cher. Oui, ce qu'il a de plus cher. Son fils. Les gens ne savent pas donner ce qui leur est cher. Quand tu trouves ta place, je vous dis toujours. Il y a des personnes, quand vous tombez sur mes vidéos, disent que j'ai fait un jeûne, peut-être au sixième jour, je suis tombé sur tes vidéos. Quand tu tombes, ton s'arrête quelque chose en toi. Tu relâches peut-être le premier avec la petite prière. Ça donne. Tu dis, hé, ça donne. Maman, accroche pas. Le plus difficile, c'est de ne pas arrêter de donner. Voilà. À un moment, tu penses que tu perds en le faisant. Oui. Quand un homme, une femme de Dieu proclame sur ta vie, Dieu dit Amen. Voilà. Heureusement que le Seigneur lui-même a positionné un homme de Dieu qui est en train de parler. Donc, il y a la Bible qui parle et puis il y a lui-même qui confirme encore. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Élisée lui-même dit d'abord, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle dit, non, 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 j'habite au milieu de mon peuple. C'était une femme aisée. Après verset 14, 2 rois 4, verset 14. Il dit donc, qu'est-ce que je peux faire pour la femme-ci? Géasi a quand même raté un peu sa destinée. Parce que le gars, c'était quand même intelligent. Il dit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et là, il dit, appelle-la encore. Ça veut dire qu'elle est venue parler le premier, toi, elle est partie. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, quand vous faites des grandes offrandes, là, vous êtes très humbles. J'ai vraiment que parfois, elle demande, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Non, ne te dérange pas. Souvent, quand j'ai même honte quand elle reçoit vos cadeaux. Je dis que, ah, maman, la femme s'est mise en carte comme ça là. Mamie, parle sur ça. Tu connais ce que tu demandes à Dieu. Aucune semence n'est perdue. Je vous dis souvent que l'univers est juste. Donc, c'est équilibré. C'est équilibré. Dieu ne peut pas te laisser. Oh, tu as semé pendant 5-10 ans. Même si tu as semé dans un endroit, plus tard, ça va te rattraper. Et quand ça va commencer, on va dire que non, tu fais quelque chose. Vous la connaissez, non? Il dit, appelle-la à nouveau. Elle revient. Élisée dit, oh, je sens l'ange. Je sais que quand Élisée disait l'autre, c'est là. Oh, Dieu était à côté. Écoutez bien, Matthieu 18, verset 18. Dans la bouche de deux personnes, quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, la chose leur est donnée. À cette même époque, l'année prochaine, toi, tu n'as pas enfanté. Ton mari lui-même est vieux. Hein? Tu embrasseras un fils. Voilà une femme que, elle savait que je ne peux pas avoir l'enfant. On ne vous enseigne pas les choses. Parfois, tu dis, je veux ça, donne-moi, dis-moi, donne-moi. Ce n'est pas parce qu'en ligne, vous voyez les choses gratuites que c'est... Le gratuit est toujours cher. Faites attention. Faites attention. Donc, lui-même dit que viens. À cette même époque, l'année prochaine, je te donne 12 mois. Tu vas embrasser ton fils. Quand il parle de ça, il semble l'onction de ça moi-même. C'est moi-même qui disais ça. Seigneur, je déclare que chaque personne qui écoute, ce que vous avez vu, ce que vous avez demandé,
Même si ce n'est pas dans mon ministère. Que ça vous inspire pour que vous partiez semer en connaissant. La Bible dit dans Psaume 119, verset 130, l'entrée de la parole de Dieu apporte la lumière. Que la lumière soit. Qu'en semant, vous semez avec connaissance. Compréhension. Oui, et les hommes de Dieu ont des besoins. Parfois, je suis là, ça, Dieu t'a dit que fais ça, fais ça. Mais même quand tu es forcé de partir, tu fais ton ministère. Donc, quand je vous lis souvent Malachie pour vous enseigner sur la dîme, on est en début de mois. Il dit que la dîme, tu apportes la nourriture dans sa maison. Maintenant, tu te tournes vers lui. Tu ne te tournes pas vers l'homme de Dieu. Normalement, quand tu payes ta dîme, ne te dérange pas. Je vous ai dit quand vous partez dans les églises. Vous avez ça là. Pourquoi vous voyez? Laissez ça, ça c'est le show. En faisant ton transfert d'argent, parle. C'est entre toi et Dieu. Seigneur, comme je libère ça, j'apporte la nourriture dans ta maison. Papa Yahweh, ouvre les écluses des cieux sur moi. Seigneur, donne-moi la bénédiction en abondance que je ne puisse même pas la contenir. Écoutez, je me rappelle encore de cette fois, en janvier 2014, j'étais dans le ministère de Bishop David Odebo. Ne parlez jamais mal d'un homme de Dieu que vous savez qu'il a fait quelque chose dans votre vie, ça a parlé. J'avais travaillé, on m'a donné 500 pounds. J'étais en Angleterre. J'ai porté 300 pounds sur ça. Je suis parti déposer dans ce... Je me rappelle encore parce que j'avais les dettes, je devais payer le loyer, j'avais mon enfant en charge. Mais j'étais toujours bloqué dans ma vie. J'avais entendu, il avait prêché à Shiloh. Hein. Quand il avait fait tous les Shiloh en fin de mois, fin d'année, Shiloh, je n'avais pas l'argent. Donc quand on m'a payé, quand on faisait Shiloh, j'écoutais. J'ai dit que Seigneur, quand je vais avoir mon premier salaire du mois, de l'année là, c'était le 14 janvier 2014. Je suis parti à l'église. Je me rappelle encore de l'offrande là, j'ai parlé sur ça. J'ai donné. Écoutez, même si l'homme de Dieu là ne t'aime pas, les bénédictions là vont sortir. C'est pas Dieu. Oh. C'est entre toi et Dieu. Bougez, connaissez ce qu'est Dieu. Quand tu fais, tu n'as pas. Même si l'homme de Dieu te dit merci ou pas, ce n'est pas son merci que tu veux. Ce n'est pas son merci que tu veux forcément. Seigneur, je veux ton merci. C'est toi, ta part là que je veux, Seigneur. Et là, cette femme devint enceinte. D'abord, quand il lui a dit que tu vas accoucher l'année prochaine, elle dit non, mon Seigneur, pardon, ne me trompe pas. Sûrement, avec l'argent là, elle avait fait les inséminations, ou elle a fait les essais, ou ça n'a pas marché. Et j'aime comment la Bible dit que devint au cours du temps, au fil. Donc, quand Dieu allait parler, hein, laissez seulement le temps passer. C'est fini. Laissez seulement le temps. Comme quand tu accouches, non, l'enfant va grandir. Au cours du temps, cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Localisez votre parole. Je déclare au nom de Jésus que le besoin qui est en train de naître en toi, ce que tu es en train de dire dans ton cœur, que Seigneur, ça veut dire que tu peux résoudre ça. Donc, tu peux aussi faire ça. Je déclare au nom puissant de Jésus que votre foi s'active. Toute semence que vous allez mettre, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans le ministère d'une autre personne, avec la compréhension que je viens de vous donner, je déclare que ça va débloquer. Je débloque les malédictions générationnelles sur vous au nom de Jésus. Même si tu as 50 ans, à partir de toi, écrivez, à partir de moi, les choses seront différentes. Lily, tu es en pleine préparation. Lily, je te vois commenter ici là. Ne te dérange pas. Parfois, tu commandes des choses, tu te dis que Dieu ne vous a pas oublié. À partir de moi, les choses seront différentes. Ton père peut-être a eu les problèmes. Tu es là depuis, tu as la peine à te marier, tu as la peine à faire ceci. Vous allez voir la faveur.
Ne vous fatiguez pas. Je déclare que ce que ton cœur est en train de demander là maintenant, maximum 6 mois, 1 an, tu vas voir ça, tu vas dire que hey! He has given me victory. Hey, hey! Non, 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 non. Hey, 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 hey. Oh. L'argent vient toujours avec la joie. Je déclare que ce que vous avez commencé à voir, à partir de toi, ce sera les immeubles qu'on va posséder. À partir de toi, on sera connu partout dans le monde. À partir de toi, on sera milliardaire. À partir de toi, on va accoucher en abondance. À partir de toi, on va se marier, on va rester dans le mariage. À partir de toi, on va avoir plusieurs nationalités en Europe au nom puissant de Jésus. Ce que tu as vu, qu'il te soit fait selon ce que tu as vu. À partir de toi, on va voyager dans l'avion. On ne prend pas le bateau. On ne marche pas à pied pour partir en bain. Ce que je te dis ici, ça ne dépend pas de ta mère, ça ne dépend pas de ton père. Peu importe d'où tu sors. Je dis bien, peu importe. Parce que souvent, vous marchez sur l'eau. Après, vous dites, oh, vous commencez à tomber. À 5, vous commencez à vous noyer. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne regarderez plus en arrière au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne regarderez plus en arrière au nom de Jésus. À partir de toi, tu vas voir ça. Je vous reconnecte à vos pères et vos mères spirituelles. Il y en a ici là, vous étiez énervé depuis une semaine, un mois. Votre cœur faisait un jar qu'elle a la même quoi qu'elle va me donner. Elle même quoi qu'elle va me donner. Je débloque votre cœur. Je débloque. J'enlève le rejet, l'animosité. Peut-être une vidéo, une personne que tu as vue comme ça là. Disait que ah, la femme là, ça a gâté ton cœur par rapport à la personne. Alors que ta bénédiction venait de là. Je vous débloque. Au nom de Jésus. Il y a un groupe WhatsApp. Donc, si vous écrivez en inbox, on vous met dans le groupe. On va, le soir à 18h, on a prière. Parce que les 3 premiers jours du mois, on jeûne. Je vous débloque. Je vous débloque. Je vous débloque. Que ce que ton cœur demande, que tu l'obtiennes. En semant votre semence, le numéro pour le... Je vais vous donner le numéro pour faire les offrandes dans peu de temps. Et les PayPal et tout ça. Oui, je vous reconnecte à vos personnes. Entre. Je vous reconnecte, homme de Dieu, femme de Dieu, qui vont vous aider. Je vous connecte au nom de Jésus. Je vois que quelqu'un est là, tu es en train d'avoir la confirmation, peut-être que c'est moi. Et aussi, tu es en train de te rappeler de quelqu'un que tu avais oublié. Je déclare que tu payes ta dîme sans effort. C'est nous des tu. Tu passes ton temps seulement à pleurer. C'est quoi? Pitié, 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 pitié. C'est quoi ça? Ce genre de personnes quand tu vas... C'est quoi ça? Toi, il parle de pire, tu ne comprends pas. Eh hein? Bien, l'âme ici. Hein? Leur enfant a grandi. Il arrive à l'âge adulte. Pas adulte, pardon. Il doit avoir 12 ans peut-être. 12, je pense. Je vous donne les numéros pour faire l'Orange Money. 237 655 31 07 50. Ça, c'est Orange. PayPal Aurélie Michel 2017 @gmail.com. Aurélie Michel 2017 @gmail.com. AURELIEMICHELLE 2017. Ça va s'afficher en livre sterling. @gmail.com. Cameroun 237 655 31 07 50. 655
31 07 50. MTN Money 6 80 71 0 1 07 0 1. Donc 680 71 07 0 1. Oui, c'est ça, Vivi. 655 31 07 50. Ça, c'est pour Orange. MTN, c'est 237 680 71 07 0 1. Six 80 71 0 7 0 1. Six 80 71 0 7 0 1. J'ai déjà donné Orange Cameroun, hein, Clarence Tao. Si tu veux déranger, c'est pas le moment. Pour le Bénin, le numéro du Bénin, je ne l'ai pas. Mais si vous écrivez, on va vous donner. Si vous écrivez sur le numéro du Bénin, on va vous donner. Écrivez au Cameroun, ok? Pour le Gabon, 074 18 00 80. 074 18 00 80. Ça, c'est pour le Gabon. Vous allez voir le nom là dessus. 074 18 00 80. Pour la France, vous faites tap tap sen. Venez pas de numéro, venez pas de compte en France. PayPal, c'est Aurélie Michel 2017@gmail.com. Mon numéro est dans la bio. Vous écrivez sur ce numéro. On va vous donner les détails pour payer. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on a Wave et Orange là-bas. 060, 07. Oui, c'est ça. C'est les deux numéros là, Joseph. Merci d'avoir écrit. 0779 02 52 05. Ça, c'est pour Wave. 0779 02 52 05. Ça, c'est pour Wave. Voilà. 0779 802 52 05. À partir du Sénégal, vous pouvez envoyer sur ce numéro Wave. À partir de Burkina, vous pouvez envoyer sur ce numéro Wave en Côte d'Ivoire. Ça passe. Ok. On reprend. Je vais finaliser ceci. Je vais finaliser ce message. Si vous n'avez pas, vous écrivez, vous n'avez pas bien compris, écrivez sur le numéro qui est dans la bio. On va vous passer le numéro. Donc, je veux rappeler ici, j'ai de beaux yeux, merci Amazon, oh c'est gentil, thank you. Donc, je viens rappeler ceci, on est en train de lire 2 Rois chapitre 4, verset, là je suis déjà au verset 17. Donc là, on parle de l'enfant qui a grandi, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Et le serviteur amena l'enfant à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Et il mourut. Donne le téléphone là, monsieur Alain. Donne à monsieur Alain. Tu ne peux pas gérer les deux appels. Monsieur Alain. Monsieur Alain. Prends le deuxième téléphone, s'il te plaît. Il faut décrocher les appels. Donc, vous remarquez ceci, quand l'enfant est mort, le premier réflexe, sa mère va mettre l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Ça veut dire que sa relation avec l'homme de Dieu avait continué. Certains parmi vous, vous développez parfois des relations instables avec les hommes de Dieu. Tu commences, après tu dis, ah, ce n'est pas parce que l'homme ne te parle pas tous les jours, ou bien parce que tu as trouvé quelqu'un en ligne qui est plus chaud, chaud, chaud. Vous savez, vous m'approchez souvent. Tu sais, avant, je veux que tu sois ma mère spirituelle. Avant, c'était un homme-là. Vraiment, il n'était pas comme ça. Il était comme ça. Franchement, ne viens pas. Donc, son enfant meurt. Elle monte, elle dépose l'enfant là-bas.
elle se déplace, elle part voir l'homme de Dieu. Quand elle arrive, elle dit, maman, l'enfant que tu m'as donné là, c'est toi qui avais donné l'enfant. C'est toi, non? Sachez souvent engager les hommes et les femmes de Dieu qui sont devant vous. Connaissez comment les provoquer. Elle avait une relation tellement... Et parfois, vous voulez contrôler les hommes de Dieu, on ne les contrôle pas. Ce sont les gens qui font ce que Dieu dit. Si tu les contrôles aujourd'hui, demain, quand il y aura ta parole que Dieu doit donner, il ne va pas te dire, il va tordre la parole. Donc, demandez toujours d'être avec des hommes et des femmes de Dieu qui vont vous dire la vérité à tout moment. Si vous dites la vérité, forcément, ils ne seront pas contrôlables par vous. Oui, c'est ça les numéros. Lucienne Kamgon, le premier numéro, vous savez le nom de Abbé Solo. 655-31-07-50. Ça, c'est le nom d'Abbé Solo. Étant le 680-71-07-01. C'est le nom de Valérie. Ça, c'est mon ancien assistant. Et je vous ai dit, une famille doit avoir le docteur physique, le docteur spirituel. Donc, pour votre spiritualité, tu dois avoir un homme, femme de Dieu, peu importe. C'est bien que s'il y a un truc spirituel qui t'arrive, tu appelles. Voilà l'autre qui arrive, que oh, on t'a giflé, une main noire t'a giflé la nuit. Je suis ton guide spirituel. Souvent, quelqu'un me demande que oh, les dons, la dîme se paie aux orphelins. Le jour où tu as le problème dans la nuit, appelle l'orphelin, il prie pour toi. Quand il y a une situation, appelle l'orphelin. Et le monde est régi par des lois. Que tu acceptes ou pas, les lois sont les lois. On ne va pas modifier les lois pour toi. Et vous savez très bien que Élisée est venu, il a ressuscité l'enfant. Donc, parce que notre génération, c'est les générations micro-ondes là. Vous vous séparez facilement des gens. Vous bloquez facilement les gens. Facilement. Vraiment. Facilement. Ah oui, j'étais avec elle après. J'étais dans telle église. Après, le pasteur a fait comme ça. Après, je suis parti là-bas. Après, demande à Dieu. Il te montre ton endroit. Vas-y. Quand tu tiens à avoir, quand tu commences à avoir cette instabilité, tu vas voir que même dans ta vie familiale, il y aura une stabilité. Voilà. Que cet enseignement, ce que vous avez reçu de cet enseignement, que ça vous aide. Je déclare que tout ce que vous avez semé dans le passé, que le Seigneur se rappelle de vos offrandes. Acte chapitre 10, Corneille. Le Seigneur dit qu'il s'est rappelé de ses aumônes. Que le Seigneur se rappelle de vos offrandes, des œuvres que vous avez faites, des dîmes que vous avez payées, que vous-même vous ne saviez pas comment déclencher la dîme là. Que oh, je paye ma dîme depuis 12 mois, il n'y a rien qui se passe. Peut-être on ne t'avait pas enseigné. Ton père spirituel voulait coucher avec ta femme. Papa, tu veux que te dise que quoi? Tu veux alors qu'une personne paye pour tout le monde? Parce que ces personnes-là, généralement, ils ont des signes qui vous montrent, mais vous ne voyez pas. Vous partez derrière eux parce que vous voulez être apprécié ou bien le fanatisme, je ne sais pas. Donc, je ne saurais te dire. Parce que quand tu viens placer comme ça, c'est trop facile. C'est trop facile de dire que oh, il est méchant, comment il a pu faire ça? Oh, les hommes de Dieu, hein? Non. Parce que moi-même, je vous connais. Je connais les enfants spirituels. Ah. Les enfants spirituels, c'est d'abord des prostituées de feu. Un coup, il est ici. Un coup, il est là-bas. Un coup, il est là-bas. Un coup, il est là-bas. Première chose. Deuxième chose, vous n'aimez pas obéir au principe qu'on vous enseigne. Beaucoup de pasteurs, tu peux le voir à une congrégation, 5000 personnes. Beaucoup d'entre eux, là, 10 000 ne payent pas. Ils ne donnent pas. C'est pour ça que quand tu ne fais pas tes choses, ça ne marche pas. Après, tu veux quoi? Est-ce que c'est de la faute de cette personne, donc, de ce pasteur qui t'enseigne? Hein? Ça dit Kate, ce n'est pas, il ne s'agit pas d'église, il s'agit, c'est ton esprit d'abord. Que tu te connectes avec ton créateur. Merci Léo. Oui. Je suis toujours en direct Alain. Merci.
Et certains d'entre vous, vous ne voulez pas mûrir. Donc vous êtes encore des bébés. Cet homme de Dieu-là doit tout faire pour toi. Minuit, vous appelez. Tel problème dans le foyer, tarara, vous courez au pâté, lui dit. Les sacrifices, les gens négligent les sacrifices, non? Oui. On dit, faites des offrandes, non, vous ne voulez pas. Faites ceci. On enseigne, vous écoutez. Dès que vous finissez là, vous rentrez à la maison. Vous ne faites pas. C'est l'application de la parole qui sauve. Ce n'est pas la connaissance. C'est la mise en pratique de la parole qui sauve. Vous pensez que vous faites ça pour l'homme de Dieu. Si Dieu t'a dit, va donner ça à l'homme de Dieu, là, tu ne donnes pas. Ne te dérange pas. Une autre personne va venir faire. Je me rappelle une fois, j'étais dans une église, ils cotisaient les sous pour lancer leur église. C'était pour construire l'église. Je suis arrivé là-bas, Dieu me dit que si tu ne donnes pas, tu reviendras ici dans 2 ans, cette église sera faite. Tu sais ça, non? Je dis oui. C'est pour ça que chaque fois qu'il part quelque part, s'il y a un projet, dis que tu sais non, que si tu ne participes pas, tu vas revenir, l'église sera faite, non? Il dit oui. Il dit, tu as compris. Avec ou sans vous, Dieu fera son œuvre. Maintenant, c'est un honneur pour toi de participer à l'œuvre. L'autre jour, j'ai une dame, j'ai travaillé sur elle, ça fait combien de temps là, elle et sa famille, ses frères et soeurs, tout le monde. Et le travail s'est levé, ça fait c'est beaucoup d'argent quand même. Au moins 1,5 million, quelque chose comme ça. Et elle a payé, il restait. Je crois peut-être 800 000. Elle est restée, elle avait toujours des excuses pour ne pas payer, voilà. Parfois elle était, bon, je suis malade, je ne peux pas sortir de la maison. Elle reste l'autre soir, elle me dit, il restait combien là? Je lui dis, elle a sorti 300 euros, elle a payé. 5 minutes plus tard, elle a reçu 900 euros. Un agent qui était quelque part, que quelqu'un... C'était même pas une offrande. Elle m'a seulement remboursé l'argent qu'elle me devait. Et parfois, vous êtes dur. Je me rappelle toujours quand Jésus est venu devant la synagogue, il a montré la dame qui a donné 2 pièces. Sûrement la veuve, là. La dame n'avait pas tant que ça. On dit, ah, une vieille maman comme ça, là. Mais normalement, elle ne doit même plus donner. Elle ne doit plus. Non. Si tu es au Gabon, tu prends le numéro, le local est à lui, à la montée de lui là, en face de l'hôtel de lui. Si tu connais le restaurant Lodika, la rue où il y a Lodika là, tu montes, au prochain carrefour, il y a un arbre dans la cour en face de toi. Tu vas voir la plaque de mon local. Parfois tu peux avoir de l'argent comme ça ne suffit pas pour faire un projet. Dieu te dit, prends ça, tu sèmes ici. Je dis, ah. Et bien, semer, ça va finir. Fais comment? Dieu sait ce qu'il te dit de faire. Écoutez l'esprit et obéissez. Je dis, va faire de salaka. Je te dis, ah, il fait de salaka. Et après, il fait comment? Fais de salaka seulement. Fais. Tu vas voir. Donc, je viens bénir votre travail spirituel. Vos semences, celles que vous avez semées aujourd'hui, votre dîme, vos offrandes, la semence et l'offrande, c'est différent. Pour le message que vous avez écouté, le Seigneur me met à cœur de vous dire de semer pour activer ce que vous avez déjà mis au départ. Genre, Seigneur, par cette offrande, je viens activer tout ce que j'avais déjà semé. Comme tu trouves un champ. J'ai pris une maison récemment. Dans la cour, c'était un peu en saison sèche. Dans la cour, il y avait le gazon qu'on avait semé. Dans la terre, il y avait la semence, il y avait les racines du gazon. Donc, quand je vois un monsieur vient me faire, il me fait un devis de 700 000 pour me mettre le gazon dans la cour. L'esprit me dit, attends d'abord, ne fais pas le gazon. Je dis, bon, tu sais quoi? Il a seulement mis les fleurs comme je voulais tout autour, là, il est parti. La pluie commence. Un mois plus tard, je suis retourné dans le local. Le gazon avait poussé. Il fallait activer ce qui était là qu'on avait semé depuis longtemps. Donc, je donne les numéros à nouveau. Je vois qu'il y a des gens que vous ne notez pas.
680, 655. Donc 237 655 31 07 50. Et je crois que vous pouvez aussi partir sur le site internet Reine Lumière. Je vais voir si l'extension la marche, le site Reine Lumière, parce que j'ai tout fait pour qu'on restaure le site. Donc si quelqu'un a PayPal ici là, allez un peu sur le site Reine Lumière, vous essayez de, vous faites un test. J'ai demandé, voilà, faire un don, il y a un lien dessus. Ok, vous allez sur le lien reinelumière.com. Vous cliquez sur faire un don. Vous pouvez faire via PayPal. Reinelumière.com, allez dessus, vous regardez. Je crois que ça marche. Le designer a fait ça hier. Allez-y, vous essayez. Si ça ne marche pas, vous me dites. Si tu attends le visa, prends le kit déblocage. Tu fais avec 7 jours de jeûne. Tu as suivi, non? Je bénis ta dîme, Vanessa. J'ai vu ça. J'ai vu ça dans les messages. Je bénis ta dîme. Je bénis cette dîme au nom de Jésus. Donc, j'ai donné le numéro de la Côte d'Ivoire, 07, Côte d'Ivoire, 07 79 02 52 05. Je sais que certaines personnes vont venir ici et vont dire, ah, pourquoi ils donnent? C'est celui qui donne qui connaît ce que ça fait dans sa vie. Ne vous dérangez pas. C'est celui qui donne qui sait ce que ça fait dans sa vie. Le kit, ça dépend du pays. Donc, écris à mon standard là-bas, tu demandes. Dans ma bio. Le généreux, je viendrai. Tu as suivi. Merci le généreux. Je sens que tu as une très belle énergie. Tu sais pourquoi je te bénis. Je te bénis. Tu as une très belle énergie. Ne décourage pas, hein. Le manque de respect que tu subis, ça, ça a un temps. Ça arrive à expiration bientôt. Mbolo Zembe, Mbolo. Je veux prier pour les jeunes. Ces semences et ces lavages lui ont donné le visa. Tu as même eu le visa, tu voyageais, tu ne m'as pas dit. N'est-ce pas? Parfois, quand vous avez le visa là, vous pensez que je vais venir prendre votre passeport pour aller voyager avec. Vraiment. Tu ne m'as pas dit. Jusqu'à moi, il a répondu. J'ai mes secrétaires qui répondent. Moi, ils ne savaient pas que tu as le visa. J'ai des personnes. Quand on faisait la réunion ici hier, il y a une dame qui s'assoit généralement devant ici. Elle avait ses 4 enfants. Ou c'est 3 ou 4, mais je crois que c'est 4. 3 ou 4. 3. 3. Donc, ils étaient généralement 4. Elle est suivie pendant peut-être 4 mois. Elle a eu son visa pour partir rejoindre son mari. Vanessa, je me rappelle de chacun d'entre vous. Moi. Tu es venu ici là physiquement. Quand la dame là est venue le mois suivant, elle m'a dit que non, on part. Je lui ai dit que comme tu arrives là-bas, tous ses enfants connaissaient là les principes. Déjà qu'ils connaissaient déjà. Quand vous partez là, partir en Beng, c'est le début. Oh. La femme, son amie, j'ai lu son histoire ici. Elle a eu l'enfant. Le diable a encore attaqué l'enfant là. Ne blaguez pas. Donc, comme tu obtiens là, tu arrives, tu veux le permis de conduire, tu veux ceci. J'ai aussi travaillé sur une comme ça là, elle s'est mariée. J'ai travaillé, on lui a donné de me donner la bague de fiançailles. Elle me disait que le mari était prévu à tel pays. Quand elle se marie, elle ne me dit pas. Et c'est moi, elle avait ça va alors. On laisse 1 mois, 2 mois pour le mariage. Maman, problème à la maison. Problème. Elle me dit, oui, voilà, on s'était dit à Marie que tu t'es mariée.
L'ennemi, il est en mission pour attaquer vos projets. Je vous dis, roura. Tu as le visa, non? Pas. Un jour, un autre m'appelle, ça fait peut-être un mois et demi, je vous en parle souvent ici. Il me dit, oui, je veux témoigner, oui. J'étais venu une fois dans la nuit, il pleuvait, j'avais sorti tout l'argent que j'avais jusqu'à même marcher à pied pour rentrer. Je voulais le visa pour aller au Canada. Finalement, tu avais fait quoi là sur moi. J'ai eu le visa, je suis parti. Oui, ça fait un an que je suis là. Il ne m'avait pas dit. Donc là où il était à ce moment-là, il manquait la maison, le travail. Il dit que je suis avec l'enfant, je cherche la maison depuis. Le visa, ce n'est pas tout. Le visa, ce n'est pas tout. Et certains parmi vous, parfois, quelqu'un, la faveur commence avec quelqu'un. Genre, il dit, ouais, viens, je veux faire tes papiers, pourquoi tu viens ici, là, dans mon salon de coiffure. Ça commence bien. Tu arrives. Tu te lavais aussi avant, hein, tu as commencé, après tu as arrêté. Tu arrives sur place. Un bon matin, elle se réveille, on s'est là, tu deviens comme le djunjou pour elle. Le djunjou, hein. On ne me force pas à prier pour quelqu'un, hein. La dernière chose que vous allez me faire, c'est me forcer à faire quelque chose. Peu importe tes besoins. J'ai parlé pour toi tout à l'heure, je t'ai parlé d'une bénédiction, tu n'as pas reçu. On ne me force pas. Je dis ce qu'on me dit de dire. On ne me dit pas, il ne dit pas. Ok? Voilà. Si le message est clair, c'est bon. Je suis en train d'enseigner même sur les semences. Je suis en train d'enseigner pour la semence. Donc la femme, elle se réveille le jour, tu deviens comme le djunjou pour elle. Dès que tu passes à côté de ce monstre, tu sens ses mains. Elle te gronde. Elle te dit, hein. Le diable travaille. Que mon mari et moi, c'est la bagarre tous les jours. Je ne comprends pas. Et alors que ça fait même pas 2 mois, il est parti m'épouser. Ne blaguez pas. Parce que tu as commencé, après tu t'es reposé. Je lui ai donné tous les détails pour faire les semences. Je déclare au nom de Jésus, que tout ce que vous êtes en train de vous avez reçu, ça se stabilise au nom de Jésus. Je déclare tout ce que vous avez demandé quand vous avez fait votre semence maintenant là, que tu as visualisé, que tu as émis comme idée, que tu as parlé de ta bouche, recevez cela au nom de Jésus. Je déclare que vous ne blaguez plus avec votre travail spirituel. Je déclare que vous qui avez identifié votre homme de Dieu, votre femme de Dieu, votre endroit, vous ne vous déracinez plus de cet endroit au nom de Jésus. Je vais te bloquer. Toi qui dis, j'ai vraiment besoin de prière. Je vais te bloquer. Tu as suivi. Tu as fait le kit, le lavage, la dîme, le sacrifice. Voilà, tu as la carte de 10 ans. Tu as fait ton permis de conduire, ça a marché. Je déclare que vos frustrations sont terminées. Vous devez, avec moi, vous devez échelonner vos choses. Tu as un projet sur combien d'années? Que première étape, tu as fini tout ça maintenant, cherche le CDI. Après, tu dis, j'ai fini le CDI, j'achète maintenant la maison. Ou j'achète 2 maisons. Après, maintenant, ok, ou bien tu dis que, après ça, tu dis que je me marie. Ou dis qu'après ça, mettez les étapes sur votre vie. Qu'est-ce qui ne passe pas, ma chérie? Mon mari européen est devenu presque fou en 3 mois après mon mariage. Waouh! Hey! Maman! Au niveau du paiement PayPal, d'accord. Je vais demander au monsieur là de checker à nouveau. Et c'est avec la carte bancaire pour voir si ça passe. Normalement, la carte bancaire, c'est protégé aussi.
La bénédiction se prend et ça se conserve. La bénédiction se conserve et ça se mûrit pour que ça grandisse. Vous suivez? Étape, étape, étape. Mais je déclare que vous n'allez plus rétrograder sur vos bénédictions. Je déclare que vous n'allez plus rétrograder au nom de Jésus. Tu ne vas plus avancer, après tu rentres encore en arrière. Un mois tu as tel salaire, le mois prochain tu rentres encore. Je déclare cela est terminé sur vous au nom de Jésus. Je bénis vos enfants. Je vous fortifie. Au nom de Jésus, amen. Voilà. Passez une belle journée. Ceux qui ont compris, ok? Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Revenez demain, vous allez comprendre. Parce qu'on m'a encore dit la même chose.